Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je profite d'être au Salon du Deux Roues, au Mob Show de Lyon 2020, avec David qui m'a prêté ici la Ferocia 44. Et du coup, voilà, je vais prendre le temps de vous en parler et d'en faire un tour, car c'est la première fois qu'on l'amène sur Lyon et c'est pour moi la première fois que je l'ai en réel. Alors les amis, je vais commencer par un tour comme ceci, rapide, et on reviendra dessus pour vous donner une idée de ce qu'est la machine. C'est une machine de folie. Beaucoup de travail, on le voit, énormément de détails, travail de qualité. Et donc voilà, ça c'est la Ferocia 44 de David. Pour rentrer dans les détails, on va le voir ici au niveau du cadre et de la fourche, on est sur une moto bécane AV44 de 1960, donc vous le comprendrez, qui a été customisée, équipée de son moteur d'origine de 49,9 cm3. Et de l'autre côté du moteur, ici, une pompe à eau de laveuse de 1965 qui fait ici office de turbo. Donc là déjà du gros délire sur le moteur. Concernant la partie cycle, ici sur l'avant, une grande roue, on est en du 26 pouces par 1,75. Et à l'arrière, on est donc ici sur une roue en 2 pouces par 19. Ce qui donne en aspect général cette machine qui fait 2,30 mètres de long pour une hauteur de 90 cm. Le réservoir ici présent, regardez, je vais essayer de vous le filmer sur toutes les coutures, car il est vraiment assez ouf de détails. Donc il faut savoir pour info qu'il s'agit d'un réservoir de la Royal Company. Allez, regardez, on passe de l'autre côté du réservoir, regardez un peu les détails, la qualité, c'est vraiment très joli. Et on va continuer sur les détails, regardez un peu ça. C'est juste affolant. Je vais essayer de vous en faire voir un maximum. Puissiez vous rendre compte de la qualité. Regardez ça. Si c'est pas ouf. Vraiment là, c'est vraiment pousser le vis. Mais c'est vraiment très joli. Là, on arrive sur le phare avant. Il faut savoir que c'était un Vitalux de 1950 qui a été monté ici. Regardez ça. C'est juste ouf de ouf. Ça fait vraiment plaisir de la voir en vrai, hein. J'avais déjà eu David plusieurs fois. Et donc voilà, là c'est vraiment l'occasion de voir sa machine. Mais quelle réussite! Et regardez, si on vient ici, si vous connaissez les montres à gousset, j'appuie ici sur le bouton, ça s'ouvre. Et voilà, on a l'heure à l'intérieur. Donc là, bon, on n'est pas à l'heure. Mais voilà, vous voyez le souci du détail. C'est vraiment excellent. Allez, donc on continue maintenant le tour. Regardez les repose-pieds. C'est vraiment rempli de détails avec toutes ces petites roues d'horlogerie. C'est vraiment sublime. On pourrait rester 2 heures dessus à regarder vraiment ce qui se passe, ce qu'il y a. Là, on arrive sur le phare arrière. Regardez, pour ceux qui connaissent, un number 9 de 1920. C'est magnifique. Hein. Quelle idée. Tous les petits liserés or un peu partout. Regardez ça. Même les tendeurs de chaîne. Regardez le travail sur le tendeur de chaîne. Donc voilà. Vraiment gros délire de customisation sur cette machine. La selle, regardez, pareil, bien travaillée. Elle est superbe. Regardez ça, les amis. C'est vraiment ouf de ouf. Et on va changer de côté, côté droit de la machine avec la boîte à outils. Regardez un peu ça. Ici, juste en dessous, le pot d'échappement qui a été refait en style mitrailleuse. Donc là, c'est vraiment ouf aussi, l'idée du détail. C'est superbe, hein. Tout est bien réalisé. Hein. Il n'y a pas de fioriture, comme on dit, il n'y en a pas trop. On est juste bien sur cet ensemble. Il faut savoir que 85% de cette machine a été fait qu'avec de la pièce de récupération. Regardez ça, même les butées de guidon. Regardez comme c'est fait, avec la petite chaînette. Voilà, tout est nickel. Là, si je vois les gaines comme ça, ça doit être du flexible de douche. Voilà, qui a dû servir, qui a été repeint. Mais quel travail! Et allez, on retourne sur l'avant droit aussi. Regardez un peu ces détails. C'est vraiment fou. Je l'ai déjà dit 15 fois, mais quelle machine! Faut savoir quand même, regardez, même la béquille va avec le style. Faut quand même savoir que cette machine, je vous le rappelle, la Ferocia 44 a quand même nécessité 500 heures de travail à son propriétaire. Donc voilà, pour un résultat quand même qui est assez exceptionnel et vraiment un modèle unique au monde, et je pense pas qu'on en verra deux dans ce style.
Allez, voilà les amis, je pense avoir fait le tour de la Ferrocia 44. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, je suis impressionné de l'avoir vu en vrai. Franchement, du très très beau travail. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et la liker. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.